Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Coach-moi. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème qui est malheureusement devenu récurrent ces temps-ci, la charge mentale. Comment se libérer de la charge mentale? C'est vrai que, comment dire, avec cette pandémie, on a remis en question beaucoup de choses dans notre vie. On a perdu ce sentiment de liberté, on a perdu ce sentiment de partage, ce sentiment de pouvoir aller où on a envie, ne serait-ce que manger au restaurant, de boire un café avec quelqu'un, tout ceci a été stoppé net. Aujourd'hui, on peut le faire, entre guillemets, en cachette, entre deux trottoirs, et c'est vrai que ben, tout ça, ça devient pesant. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre cerveau. Il est constamment en agitation, constamment dans la réflexion. Et tout ça, en fait, ça vous procure ben, un sentiment de fatigue, d'épuisement, nerveusement, physique, de nonchalance, de perte d'envie. Donc ça, c'est de la charge mentale. On ne parle pas de burn-out, on est en dépression. On parle simplement de c'est pesant, c'est compliqué, c'est fatigant. Tous les jours, voilà, je souffle. Au matin, je me lève, je suis déjà fatiguée. Le soir, quand je me couche, je suis complètement épuisée. Donc moi, je vais vous donner, on va dire, 5 étapes, 5 possibilités que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour vous libérer de cette charge mentale. La première des choses, c'est il faut trouver un but et donner du sens aux choses. Pourquoi je me lève? Qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire aujourd'hui? Ok, je dois aller bosser. Je dois aller chercher après mes enfants à l'école. Je dois m'occuper de mon rôle de maman ou de papa. Ou je dois faire après mon sport. Peu importe ce que vous avez à faire. C'est sur des phases dans votre vie, c'est quoi votre sens? Et le but de tout ça en fait. Voilà. Mon travail, ça m'apporte ceci. Ma vie familiale, ça m'apporte ça. Voilà. Trouver du sens aux choses. Et même si c'est juste des choses anodines. Ben, j'aime être dans mon rôle de maman, j'aime être dans mon rôle de femme au foyer, j'aime dans mon rôle d'être PDG d'entreprise. Voilà, donner du sens. Je fais ça pour ça. Une fois que vous avez reconnu ce sens, eh bien déjà, ça vous fait du bien, ça vous apaise. Ensuite, la deuxième chose, c'est être concentré. Être concentré, être focus, c'est la nouvelle priorité qu'on dit, être focus. Oui, si vous ne vous concentrez pas sur ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites, eh bien en fait, vous perdez l'énergie à vous disperser mentalement et à faire autre chose. Enfin, une troisième chose, et là j'ai envie de dire, c'est la chose la plus essentielle, c'est surtout d'avoir des habitudes de pensée positives. Si tous les jours, je me dis, ça ne me convient pas, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureux, j'ai envie de faire plein de choses et je n'y arrive pas, tout ce qui est dans ma vie c'est pourri, effectivement, au bout du compte, à la fin de votre journée, ben, cette journée elle sera néfaste. Et dans votre mental, ben vous serez fatigué, épuisé. Essayez de trouver des petites choses qui vont vous permettre à vous de lâcher en fait. Ben oui, aujourd'hui, certes, je vais travailler. Ce week-end, ben peut-être je vais prendre ce moment pour ça, pour moi. Je vais peut-être aujourd'hui, quand je rentre du boulot, eh bien me poser et regarder une émission télé que j'ai envie. Faire ce que vous avez envie avec des pensées positives. Ben aujourd'hui, je suis occupée, je travaille, mais c'est super, ce week-end, je vais prendre du temps pour moi. Pas tout le temps, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver, j'ai pas envie. Vous voyez? Donc, des pensées positives. Ça peut être des petites citations qui apparaissent sur votre téléphone. Ça peut être une photo sur votre fond d'écran qui vous donne le sourire. Mettez en place des pensées positives. Ensuite, il faut savourer les opportunités. Ça veut dire que quand quelque chose se présente à vous, eh bien, il faut avoir la conscience de l'avoir, cette opportunité. Des fois, on dit, oui, mais j'ai pas de boulot, j'ai perdu mon boulot, je me retrouve au chômage, c'est compliqué, j'ai envie de rien. Je vais pas dire que c'est une bonne opportunité. En attendant, ça peut être une opportunité pour faire autre chose que vous n'aviez pas le temps de faire avant parce que vous étiez occupé dans le tracas du travail, dans les soucis, dans l'application tous les jours de votre activité professionnelle. Donc, les opportunités, quand elles se présentent à vous, il faut les saisir. Et même, quand je dis souvent, il y a un échec, eh bien, dans cet échec, il y a une victoire. On ne peut pas toujours gagner. Par contre, j'apprends beaucoup de ma défaite. Parce qu'en fait, je sais que je ne vais pas réitérer ou refaire les mêmes erreurs. Donc, l'échec, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la façon dont vous allez interpréter cet échec et rebondir à la méthode, on va dire, américaine. Tu es un winner. C'est pas parce que t'es tombé une fois que t'es un loser, pas du tout. T'es tombé, c'est que t'as essayé, t'as prouvé des choses, t'as pas réussi, c'est pas grave. Maintenant, tu sais comment faire
pour le faire mieux, le faire autrement, et ça va fonctionner ou pas. Je retombe, je me relève et je recommence. Saisissez vos opportunités. Et enfin, dans tout ce que vous vivez, c'est ce que je viens de vous expliquer, l'échec, c'est pas, comment dire, une fatalité. C'est souvent un sentiment qu'on ressent bien avant d'avoir cet échec. Non, je fais pas ça parce que de toute façon, je vais pas réussir. Non, mais c'est impossible, j'y arriverai pas. Donc déjà, vous avez l'idée de ce sentiment négatif en vous de l'échec qui vous empêche d'avancer. Voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est actionner, prendre du temps pour mettre les choses en place. Donc, cette charge mentale, pour pouvoir l'évacuer et vous sentir un peu plus apaisé, eh bien, commence par le fait que vous pensiez à autre chose, que vous actionnez les choses autrement et que vous alliez vers quelque chose qui vous fait du bien. Pensez un peu à vous, soyez un peu égoïste. Prenez des petits moments de pause pour vous. Tout simplement, vous prenez cette vidéo aujourd'hui, mais vous avez fait un acte pour vous. J'espère que cette motivation que je vais vous donner, ce sourire que je vous transmets, eh bien, va vous faire du bien, va impacter votre vie et va vous donner l'envie d'avancer, que ça va être quelque chose de boostant. Voilà, de motivant, d'inspirant. Voilà. La charge mentale, c'est pas une fatalité. Libérez-vous l'esprit, lâchez, d'accord, soufflez. Prenez le temps de vous concentrer, d'être focus. Prenez le temps de voir les opportunités qui vous arrivent à vous. Prenez le temps de pratiquer ces habitudes positives au quotidien et vous allez voir que cette charge mentale, elle va diminuer. Je vous le garantis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour Coach Moi.